Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de votre chaîne préférée, la RTJVA, soyez les bienvenus et je vous espère bien portant et bien câblé ce matin pour suivre notre émission, votre émission la préférée à la découverte des ministères. Nous sommes sur ce plateau avec l'un des responsables des CDEJ. C'est un coordinateur, j'ai nommé le frère Thibaut Colani. Frère Thibaut, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment allez-vous? On se porte bien. Et votre famille? Ah, tout le monde se porte bien. Et votre centre? Ah, le centre aussi se porte bien. Ah, merci, merci beaucoup. Oui, il n'est pas le seul invité. Nous sommes également avec notre bien-aimé, notre papa, le révérend docteur Saram Ankou, qui est le superviseur national des CDEJ AD. Révérend docteur, bonjour. Bonjour, pasteur. Comment allez-vous? Oui, ça va, et vous-même? On rend grâce. Merci. Un tour aux États-Unis, je crois que ça a fait du bien. Hein? Oui, par la grâce. Bon, nous avons pris un petit congé. Nous avions des frères, des anciens chrétiens que nous avons eu à avoir comme membres de nos églises, c'est ça. Qui sont là-bas et qui nous ont invités de venir passer ces moments de congé. Et Dieu nous a fait grâce, c'était bien. Gloire à Dieu. Ok, donc il ne reste que Thibaut et moi pour prendre le vol après. En tout cas. Donc commençons par organiser aussi nos membres pour qu'ils puissent nous amener là-bas. Merci beaucoup. Ok. Oui, sans tarder, nous aimerions aujourd'hui parler des CDEJAD. CDEJAD, c'est quoi au juste, révérend? Merci beaucoup pour cette question. Oui, c'est un sigle CDEJAD. Donc, c'est le Centre de développement des enfants et des jeunes, hein, n'est-ce pas, de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo. Si nous allons donner cela comme ça, peut-être qu'en allant plus loin, nous allons donner les objectifs et, la mission de voilà. Ce centre. Thibaut, pourquoi la précision AD? Ça veut dire qu'il y a d'autres CDEJ ou comment? Nous, on ne comprend rien, nous sommes... Oui, effectivement, comme vient de le signaler le superviseur national, CDEJAD parce que il y en a, on peut en trouver d'autres CDEJ pour d'autres dénominations. Ok. Mais AD, c'est pour préciser les CDEJ qui sont installés dans les églises locales des Assemblées de Dieu du Togo. Et si ça en est ainsi, superviseur national, ces CDEJ sont au nombre de combien au sein de l'Église des Assemblées de Dieu? Oui, actuellement, nous avons au-delà de 70 centres. Nous pouvons compter jusqu'à 77 et voire plus. Parce que tous les jours, en tout cas, tous les jours, les candidatures arrivent et le processus de sélection continue. Actuellement même, nous pouvons dénombrer 77 centres, mais il a certaines en gestation qu'on n'a pas encore inscrit sur la liste, mais ils sont en gestation, ils sont en bonne voie pour s'ajouter. Donc, pour l'heure, nous dirigeons 77 centres actuellement au sein des AD. Je reste avec vous, mais comment ces candidatures sont, comment ce recrutement est fait? Comment vous arrivez à prendre les gens pour qu'ils puissent avoir leur CDEJ? Donc, quand même, il faut aller en amont pour signaler que c'est une vision, n'est-ce pas, qui nous est venue d'une ONG basée aux États-Unis, appelée Compassion Internationale. Voilà. Donc, elle avait le souci d'aider les enfants déshérités, les enfants en difficulté, faire en sorte que ce soit une branche de l'évangélisation et en faire de ces enfants des disciples de demain. Voilà. Alors, donc, dans sa stratégie, elle a demandé aux églises, d'abord des églises nationales, de signer un partenariat avec cette ONG. Lorsque le contrat est signé avec l'église nationale ou la dénomination au niveau national, maintenant les églises au niveau local peuvent postuler. Voilà. Et il faut que ces églises soient dans des zones à situation difficile. Dans un premier temps, ils avaient commencé par Lomé pour asseoir l'ONG et après, maintenant, ils vont aller à l'intérieur. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui, au niveau de Lomé, quasiment, c'est impossible d'avoir des centres.
Mais c'est fermé pour l'instant afin de satisfaire ceux de l'intérieur. Voilà. Donc, après avoir ciblé Lomé et on a eu certains centres au niveau de Lomé, actuellement, ils vont vers l'intérieur, région par région, et pour pouvoir, n'est-ce pas, sélectionner ces églises. Donc, ils partagent la vision avec les pasteurs dans des pastorales. Et après, ces pasteurs qui veulent que les centres soient installés dans leurs églises soumissionnent. Donc, ils ont un canevas, ils vont remplir et appuyer par l'Église nationale et puis ils vont soumissionner. Et après cette soumission, maintenant, on leur demande de faire une activité en amont. Donc, pour commencer les préalables de la formation, ils ont des termes qu'ils utilisent à leur niveau. Et donc, et on fait cette formation en amont, en préparatoire, pour permettre à ce qu'ils soient dans le bain. Et donc, après un moment donné, on envoie des experts selon leur degré pour venir, n'est-ce pas, explorer le lieu et évaluer le travail qui a été fait en amont et voir s'ils remplissent les critères de sélection. Voilà. Donc, il faut une partie des chrétiens, des enfants qui soient dans l'église et une partie dans la masse, c'est-à-dire dans la société. Ou dans les environnements où le CDE doit être créé. Et lorsque tout cela est rempli maintenant, on pouvait commencer les activités proprement dites. Merci docteur. Je crois que, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Non, c'est bon. Ok, d'accord. On aura peut-être une autre émission où on va mieux parler des critères, parce que même si c'est fini à Lomé, plusieurs d'entre nous nous sommes venus de l'intérieur. On va quand même chercher pour nos milieux. Merci. Oui, et il y a de cela quelques jours maintenant, vous étiez en assemblée générale extraordinaire. Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans cette assemblée générale ou bien quelle a été la thématique autour de laquelle vous vous êtes planché? Ok, merci beaucoup. Comme vous le dites, depuis le mardi passé, oui. Nous étions en assemblée générale. Donc, il y a de cela 8 jours maintenant. Il y a de cela 8 jours, jusqu'à vendredi. Et cette assemblée générale extraordinaire, c'était précisément pour faire une lecture d'ensemble de nos tests qui vont servir à gérer nos centres de développement des enfants et des jeunes. Je parle de l'Église d'Assemblée de Dieu. Oui. Donc, pour pouvoir harmoniser la compréhension de ces tests-là au niveau de tous les acteurs qui interviennent dans nos centres. Donc, c'est ce qui a été l'élément central de cette rencontre à Atakwame, dans l'enceinte de l'IBT. Je reste toujours avec vous, mais ces tests-là, vous les avez mis en document, si oui, et vous avez finalement combien de documents sous la main pour aider ces centres à pouvoir évoluer? Effectivement, nous avons 3. On a mis ça en document, nous avons 3. Nous avons le règlement intérieur. Voilà. On a essayé de personnaliser ça. Le règlement intérieur que vous voyez déjà sur cet écran, règlement intérieur CDJAD. Voilà. Tout à fait. Et nous avons les statuts. Ok. Les statuts. Il y a aussi les statuts. Voilà le second document. Voilà. Les statuts des CDJAD. Et enfin, les procédures générales. Ok, il y a aussi un troisième document, les procédures générales. Voilà. Et docteur, s'il vous plaît, je viens d'abord à ces procédures générales. Qu'est-ce que vous entendez par procédure générale? C'est quoi, au juste? Ok, il faut comprendre que au départ, les centres évoluaient de façon individuelle et séparée. Chaque centre devrait avoir des procédures selon sa réalité, selon son milieu, pour guider le fonctionnement du centre. Voilà. Et des ouvriers qui sont dans le centre, la relation avec l'église locale, la relation avec les parents de ses enfants et consorts. Donc c'était tout, c'est comme cela, chaque centre évoluait. Donc lorsque nous avons été mandatés de coordonner ces actions. Donc, nous ne pouvons pas coordonner ces actions centre par centre. Il faut un document au niveau national qui va régir les centres AD.
Voilà. Et donc, ce qu'on fait à Lomé, ce soit la même chose qu'on doit faire à Dapaon, par exemple. Mm-hmm. Et donc, c'est ce qui a permis à ce qu'un noyau soit mis en place pour réfléchir sur les procédures qui seront unanimes et uniformisées au niveau national. Donc, c'est dans ce sens que l'idée est venue. Donc, pour avoir ce document, il nous faut des statuts, il nous faut des règlements intérieurs également. Mm-hmm. Et aussi qui seront visés par les services compétents de notre pays, tels que les inspections du travail, le juge du travail, l'Église des Assemblées de Dieu du Togo au niveau national et consorts. Donc, c'est ce qui a fait que les documents sont élaborés. Parlant justement de procédure générale, c'est tout ce qui régit le fonctionnement du nouveau, dans le sens général, la relation, la vie interpersonnelle, la mission qui revient à chaque acteur du centre ou à chaque participant également. Ouais. Et surtout, nous appelons dans notre jargon les animateurs, c'est-à-dire les ouvriers engagés. Et au même moment, ceux qui sont volontaires ou qui travaillent, il y a des gens qui travaillent à plein temps, d'autres qui travaillent à mi-temps ou en temps partiel et qui viennent lorsqu'ils travaillent, ils viennent faire leurs prestations, ils retournent. Mais certains, tels que le coordinateur que vous voyez ici, lui, il est en permanence dans le centre. Donc, il est engagé. C'est lui d'ailleurs le premier responsable du centre. Mais il a l'hiérarchie au niveau de choses, la relation. Vous me tendez déjà la perche. Je vois ici dans section 2, gestion administrative. Et dans cette gestion administrative, on a un schéma de l'organigramme. Et Thibault, l'organigramme, est-ce que vous pouvez nous décliner un peu les organes. Voilà, les organes qu'il y a dans cet organigramme. Oui, tout à fait. Mm-hmm. Comme le superviseur venait déjà à commencer déjà à décliner les choses, et au niveau des CDJ AD, donc il ne s'agit plus de l'organigramme ne concerne plus seulement que le local, mais c'est depuis le national. Voilà. Donc au niveau national, nous avons déjà le bureau exécutif qui est représenté par le superviseur national. Voilà, qui est que nous avons sur ce plateau. Voilà. Donc quand nous quittons le superviseur... Non, avant de continuer, donc ça veut dire que si j'ai un dossier de Kwaratao, c'est à lui que je vais soumettre. Tout à fait. Voilà, les amis de Kwaratao, écoutez bien. Et la personne indiquée. Voilà, c'est la personne indiquée que j'ai ici à ma gauche. Ok, on évolue. Merci beaucoup. Donc, tout naturellement, lorsque nous quittons le bureau exécutif, nous avons le bureau régional. C'est ça. Nous avons le régional et nous avons une cellule, nous avons le président régional qui viennent en seconde position. Mm-hmm. Maintenant, après le bureau régional, on rentre au niveau local, au niveau de l'église locale. C'est ça. Et au niveau de l'église locale, c'est le comité de l'église, à la tête, le pasteur local, qui suit dans l'ordre de la hiérarchie. Mm-hmm. Et le comité de l'église locale met en place un comité de gestion du projet que nous appelons le CGC, comité de gestion du centre. Voilà. Donc c'est ce comité de gestion du centre qui est comme, disons, le conseil d'administration. Oui. Donc c'est lui maintenant qui gère localement le centre. Et c'est lui qui veille déjà à l'application de tous ces tests-là au niveau du centre. C'est ça. Donc le comité de gestion met maintenant en place... Les acteurs, le personnel permanent. Voilà. Donc, nous avons le coordinateur qui est le premier responsable. Voilà. Et le coordinateur a sous lui des autres animateurs, l'assistant social, le comptable, l'agent de santé, l'animatrice survie. Voilà. Et après eux, nous avons un bloc des volontaires de tout genre. Donc, on a des bénévoles enseignants, des bénévoles qui font la cuisine, des bénévoles qui font la sécurité, des bénévoles qui font l'entretien, donc différents types de bénévoles qui viennent maintenant appuyer ces animateurs dans le travail quotidien. C'est ça. Superviseur national, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cet organigramme. Non, je crois qu'il a bien décliné chaque rôle et c'est comme cela, ça fonctionne. C'est ça. Oui, oui, oui. Et voilà, maintenant, si ça fonctionne comme ça, est-ce qu'il n'y a pas des fois... des malentendus, des échauffourées, des incompréhensions par-ci, par-là. Et si oui,
Est-ce que c'est dans cette idéologie que vous avez mis les tests pour que chacun puisse connaître son cahier des charges? Oui, je crois que, comme en tant que pasteur et journaliste, vous comprenez bien qu'on ne peut pas parler des êtres vivants en vie et en action qui ne vont pas se cogner. Voilà. Même les anges se cognent. Voilà. Donc, ça fait que nous avons mis ces textes comme garde-fou pour pouvoir, n'est-ce pas, diminuer un tant soit peu les échaufferies qui pourraient avoir, les humeurs qui pouvaient avoir, les malentendus, les visions diverses qui pouvaient naître. Parce que souvent, c'est cela. Et l'homme étant ce qu'il est, dans n'importe quelle situation, comme l'a dit un auteur, il peut se transformer en monstre. Il peut être ange au départ, mais dans une situation donnée, vous allez le voir avec un manteau de monstre, ça va vous étonner. Ça, c'est donc c'est pourquoi il nous faut des tests. Et donc ces tests sont venus justement pour pouvoir, quand même ça a aidé, hein. Ces tests ont commencé à aider. Voilà. Avant, il faut, ce que j'allais ajouter à ce que le frère coordinateur a dit, c'est que l'année 2022, on avait, c'est cette année-là qu'on a amendé, on a présenté officiellement le test et les gens ont eu à ajouter, à soustraire, à ajouter. L'élaboration a pris banalement combien de temps? L'élaboration a pris pratiquement plus de 3 ans. Hein. Ça a pris presque 2018. Ça a pris presque 3 ans. Et ça, on a travaillé et puis quand les textes sont en fait prêts selon nous, nous avons convoqué pour la première fois une AG nationale. Et c'est là où on a adopté les tests. Et il fallait, n'est-ce pas, revoir et relire et écrire. On l'a fait, on a soumis, comme je l'ai dit tantôt, au service compétent, l'inspecteur du travail, le juge de comment l'appelle-t-on, du travail, et l'Église de l'Assemblée de Dieu, le bureau exécutif de l'Église de l'Assemblée de Dieu du Togo. Donc quand ils ont, n'est-ce pas, donné leur aval et leur signature, il fallait maintenant qu'on ait une assemblée extraordinaire, non pas pour amender, mais pour comprendre le fonctionnement de ces textes. Et donc, c'est ce qui a eu lieu la semaine passée. Et donc, déjà, quand les textes sont sortis et qu'on les a déjà ventilés, ça a commencé à servir dans les églises et ça a corrigé beaucoup. Ça a corrigé beaucoup, donc c'est bienvenu, ça a commencé à aider et nous osons croire que dans l'avenir, ça va vraiment être utile à chaque centre et pour diminuer les échaufferies. Certains vous ont suivi dans le journal. Est-ce que vous êtes confiant que ces tests pourront vraiment réduire, puisqu'on ne peut pas parler de... finir comme vous venez de le justement dire, hein, parce que c'est des hommes, hein, on est ensemble et on doit se frotter. Ça peut réduire conséquemment les conflits? Oui, ça va réduire. Parce que déjà, le feedback de l'âge extraordinaire nous amène à nous frotter les mains. C'est ça. En mission, même si ce n'est pas accompli, en mission partiellement accomplie. Parce que, comme... tout texte, même la Bible, il y a des orientations, en tout cas des interprétations différentes. Donc c'est la même chose. Les textes qui sont là devant toi, souvent certains peuvent l'interpréter à leur façon. Voilà. C'est pourquoi nous avons eu à faire cette relecture, ensemble. Et maintenant, même si l'autre voulait l'interpréter à sa façon, il aura un autre groupe qui va dire, non, écoutez, la manière dont le texte devrait être interprété selon, comment on dit, la conception générale, c'est comme ça. C'est ça. Et donc, c'est à partir de là que ça doit réduire, parce qu'il a des principes d'interprétation. C'est pourquoi il a fallu qu'on puisse lire le texte et puis faire chose. Donc, notre partenaire Compassion Internationale a aussi ce document, et donc, ça va le servir de guide pour pouvoir jauger, n'est-ce pas, les réactions, les actions et ce qui serait fait dans le centre qui pourrait être en désaccord ou en dehors de principes normaux établis. Vous nous tendez la perche, parle de Compassion Internationale, le partenaire. Et vous avez invité son premier responsable pour une communication. Et quel lien faites-vous entre les CDJ, AD et la Compassion Internationale du Togo? Merci beaucoup pour la question. Comme vous le dites déjà, c'est un lien de partenariat.
Donc, l'église d'Assemblée de Dieu en partenariat avec Compassion Internationale Togo. Oui. Et de ce partenariat est né les CDEJ. Donc, et c'était tout à fait naturel que lors de cet AG extraordinaire, que, bon, nous, en tant que notre partenaire technique et financier, qui puisse être là aussi et partager ce moment avec nous et en tout cas, nous accompagner comme ils le font toujours. C'est ça. Financier, partenaire technique et financier. L'argent, le nerf de la guerre. Docteur, maintenant, entre les responsables des églises locales et les agents, les travailleurs du centre, des fois, il y a des couacs. Est-ce que ce n'est pas le nerf de la guerre là qui est à la base? Et si oui, où trouvez-vous fonds pour pouvoir nourrir ces centres? Je crois qu'il a déjà dit, c'est un partenariat entre nous et Compassion Internationale. C'est ça. Donc, cette ONG a eu la vision de partager cela avec les églises et d'aider les églises à faire leur mission, n'est-ce pas, d'évangélisation, voilà, et de discipula. Et donc, l'église a compris. Donc, en tant que partenariat, chacun a un rôle à jouer. Donc, ils imposent une certaine... certaines actions à mener par rapport à l'église, hein, qui va, l'église va donner une partie avant qu'eux ne complètent. Et c'est ça, c'est ce partenariat. L'église va trouver, par exemple, un local, l'église va trouver le personnel, l'église va, aura à participer, même financièrement ou en nature. Donc l'église doit fournir certaines actions. Et donc, à partir de ces actions maintenant, ils vont compléter. Voilà. Et donc, ce qu'ils complètent, plus ce que l'Église a fait, c'est pourquoi on a un coordinateur, voilà, on a un comptable et on a et d'autres ouvriers. Donc, s'ils savent faire bien leur gestion, leur activité, et ça suffit largement pour gérer les centres. Voilà. C'est vrai que le nerf de la guerre, c'est parce qu'on ne sait pas gérer cela que ça crée des ennuis. Sinon, ça ne doit pas créer normalement. Parce que l'argent, quoi qu'on dise, l'argent n'est pas démon comme certains le pensent. C'est la manière de gérer cet argent qui peut s'apparenter à un démon. Voilà. Voilà, sinon l'argent, c'est bien. Le seul, celui-là qui dit que l'argent est démon, quand vous fouillez dans sa poche, vous allez trouver de l'argent. C'est ça. Si vraiment il était démon, qu'est-ce qu'il cherche dans pas, sa poche? Donc ce n'est pas un démon. C'est la manière de gérer qui est un problème. C'est et donc, avec ces textes qui sont là, d'ailleurs, ils ont aussi des comment l'appelle-t-on, des orientations, voilà, hein, qui ils font l'audit périodiquement et donc n'est pas animateur ou n'est pas coordinateur qui veut. Ce sont des critères qui sont bien définis et ils doivent rendre compte périodiquement à la hiérarchie jusqu'au partenaire. Oui, Thibault, il y a certaines églises qui pensaient à tort, hein, c'est moi qui le dis quand même, que c'est à tort, que CDJ, quand ça arrive là, allez, on est au paradis, on s'en lave les mains, c'est CDJ qui investit, qui fait tout, l'Église ne fait que jouir de... Est-ce que c'est concrètement ça ou bien c'est une malcompréhension de la chose? Oui, vous venez de le dire, c'est une malcompréhension de la chose, parce que les CDJ, c'est l'œuvre de l'Église. C'est ça. Et comme toute autre œuvre de l'Église, tout autre département de l'Église, l'Église se donne, l'Église investit. Que ce soit au niveau du ministère, nous avons un département des enfants, nous avons la JAD, nous avons tous les départements où quand l'Église veut aller implanter une église annexe, l'Église investit. Voilà. Et ici, avec les CDJ, c'est l'évangélisation autrement. Voilà. Et donc, je ne vois pas dans une évangélisation où l'Église va s'engager pour avoir un retour financier. Il faut d'abord, c'est le salut des âmes qui est l'objectif. Et dans le cas des CDJ, c'est la même chose. Les CDJ ne viennent pas pour nourrir l'Église financièrement,
mais c'est pour propulser l'Église dans son ministère d'évangélisation. C'est ça. Et dans ce sens, l'Église doit investir, l'Église a l'obligation d'investir, de soutenir, d'accompagner de multiples manières, comme le superviseur le disait. Il y a plusieurs façons d'accompagner. Ce n'est pas toujours forcément de la liquidité qu'il faut injecter, mais le personnel qui est mis à la disposition du centre. Mmh. Nous parlions des bénévoles ici. Voilà. C'est un investissement. Le matériel, le local qui est mis à la disposition du centre, la présence, l'accompagnement, le soutien multiforme que le comité de l'Église apporte pour que le centre fonctionne. Donc, si quelqu'un avait une compréhension, je crois que c'est beaucoup plus clair. Les EDJ ne viennent pas pour se substituer aux responsabilités de l'Église. Non. Au contraire, c'est pour augmenter même les responsabilités de l'Église. Voilà. OK. Yes. Et je reste toujours avec vous pour demander quel appel lancerez-vous à vos collègues coordinateurs, à vos collègues animateurs, pour qu'il n'y ait pas conflit, parce que c'est le but de ces tests qui ont été mis en place. Vous parlez, vous faites l'appel à vos collègues animateurs et le superviseur national fera l'appel à ses collègues pasteurs. D'accord. OK, merci beaucoup. Oui. Le message que j'adresse à mes collègues, que ce soit coordinateur, que ce soit agent de santé, comptable, animatrice survie. Oui, comptable parce que c'est lui qui garde l'argent. Voilà, ou assistant social, les volontaires. Oui. Et c'est que nous sommes en mission. Mm-hmm. Nous sommes dans un ministère. Si quelqu'un s'était engagé en se disant peut-être que j'ai trouvé un emploi, je voudrais déjà qu'il sache que au lieu d'un emploi, c'est plutôt un ministère. C'est ça. Et en tant que membre des AD, on comprend clairement ce que nous mettons dans le ministère. C'est pourquoi c'est dans l'émission à la découverte des ministères que nous sommes actuellement. Que le ministère même se tient actuellement. Hmm. Et comme il nous l'a été clairement inculqué, nous sommes des parents ecclésiastiques. C'est ça. Et en ce sens, chacun doit prendre à cœur la mission qui lui est assignée, mm-hmm, et de faire le travail de façon honnête, de façon intègre, pour que les récompenses qui doivent venir viennent de Dieu. C'est ça. Nous ne servons pas un être humain, mm-hmm, mais nous sommes dans le champ de Dieu. Et c'est très important que chacun puisse se ressaisir et respecter les tests qui sont là, respecter les consignes, respecter la hiérarchie. Voilà. C'est très, très, très important. Un de nos enseignants disait, lorsque les épaules décident de dépasser la tête, c'est qu'on devient un monstre. Ah oui, le monstre, il revient encore. Et l'enseignant même est là à côté. Ah, c'est voilà. C'était la date du superviseur national à l'Est, à l'Est. Voilà. Donc c'est très important qu'on ne laisse pas nos épaules dépasser la tête, mm-hmm, pour ne pas devenir des monstres. L'apôtre Paul dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est ça. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Mmh. Les tests établis, les devoirs et les droits des uns et des autres. Mais ce n'est pas parce que j'ai un droit ici qu'il me faut que coûte le réclamer, qu'il me faut que coûte l'imposer. À corps et à cri. Voilà. On peut toujours essayer de faire de la pédagogie, de négocier, d'être souple, d'être compréhensible avec nos leaders. Quand nous voyons certaines choses qui sont beaucoup difficiles à supporter, qu'on aille plutôt calmement, voilà, au lieu de faire le forcing. Je l'avais déjà dit au coordinateur, ici c'est le lieu de le dire à tout le monde, il y a des combats dans lesquels on ne peut pas gagner. Mmh. On ne peut pas se lever contre sa hiérarchie et espérer gagner ce combat. Mmh. Donc le mieux, vu notre position actuelle, le mieux c'est d'être compréhensif, d'être souple, de négocier toujours. Mm. Et je crois que nos chefs sont des êtres humains, voilà, et de surcroît sont des pasteurs. Mm. Ils sont sensibles. Si nous nous montrons polis, et tout ce que nous désirons, ils nous l'accorderont. Merci beaucoup, cher coordinateur, cher assistant, cher agent de santé, comptable,
agent survie. Je crois que ces conseils ne sont pas tombés dans les oreilles de sous. Vous avez bien pris note et le Seigneur aidera pour que nos CDJ puissent sauver des âmes, puissent faire des disciples du Seigneur parce que nous sommes tous en mission. Superviseur national, il y a certains de nous, les pasteurs, qui avons appris la boxe même avant de venir. Hein. Donc, quand ça nous dépasse, c'est comme nous voulons reprendre notre habit de ring pour aller vers les animateurs pour leur dire que moi, j'ai quelque chose dans mon sang. Quel appel lancez-vous? Oui, non. Souvent, j'ai l'habitude de dire de mettre la balle à terre. OK. Mettez la balle à terre. La balle à terre. Oui. Soyez serein, soyez calme. C'est ça. Les CDUJ, comme l'a dit le coordinateur tantôt, c'est évangéliser autrement. Mm-hmm. Évangéliser par les actes. C'est ça. Évangéliser, faire en sorte que les gens voient vos bonnes œuvres à travers la lumière que vous êtes. Mm-hmm. Donc, les CDUJ sont une lumière dans les ténèbres. Les pasteurs doivent comprendre cela. Quand vous avez sollicité un centre de développement des enfants et des jeunes, où vous avez hérité d'une église qui abrite un centre, comprenez que vous avez une autre manche de l'évangélisation. C'est ça. Vous devez être dans votre peau d'évangéliste avant de travailler. Et un évangéliste ne se boxe pas. Ah, voilà. Comment tu vas boxer les âmes avant de les gagner? Et donc, c'est important. Et tous ceux-là que tu travailles avec sont tes fidèles, premier temps. C'est ça. Ils sont tes fidèles, ils sont tes collaborateurs. Nous avons martelé là-dessus, et le coordinateur l'a dit ici tantôt, que ce sont des para-ecclésiastiques que nous avons avec nous. Oui. Oui. Comprenez? Donc, c'est des gens qui travaillent comme des clergés, même s'ils n'ont pas ce titre. Ils doivent influencer positivement les partenaires, les enfants partenaires du centre, même leurs parents. Et c'est toi, le pasteur, qui dois aider à ce que cela soit bien fait dans la règle de l'art, à partir de l'information et de la formation que tu auras à donner. Très important. Et donc, tu as un grand rôle à jouer. Faire en sorte que tu deviennes même facilitateur à des endroits pour permettre entre les animateurs eux-mêmes de s'entendre. Tu dois jouer ton rôle de pédagogue, de formateur de premier rang. Parce que tu es avec eux tout le temps. Et de médiateur. Et de médiateur en même temps. Tu dois comprendre ce niveau. Tu dois avoir ce niveau-là. Même si tu n'as pas les compétences, va chercher. Ça se trouve. Pour pouvoir mener à bien cette locomotive qui t'est donnée. Donc c'est important que les pasteurs comprennent que c'est une branche du développement qui sert à évangéliser et à faire, n'est-ce pas, de tous ceux-là qui sont impliqués, de vrais disciples. Donc c'est ce que je voulais dire. Voilà. Aider les centres à se développer dans la règle de l'art. Et n'oubliez pas aussi la loi du pays. Mm-hmm. C'est pas... Et souvent, la manière dont, quelquefois, nous les pasteurs, nous avons compris la mission... Et nous la gérons. Et quelquefois, la manière dont nous gérons certains qui sont sous nous ou qui sont sur nous, ce n'est pas comme cela que les centres doivent être gérés. Mais ils se gèrent à travers les tests. Voilà. Donc, ces tests sont bienvenus. Il y en a encore d'autres qu'on n'a pas pu insérer. Oui. Mais ça se trouve, la loi du travail existe. C'est ça. Quand vous les avez embauchés, il faut respecter la loi du travail. Donc, suivez les instructions. Et lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, venez à nous. Et nous allons vous aider. Mais si vous prenez des décisions à la hâte, en dehors des textes établis, vous allez tomber sous le coup de la loi. Sous le coup de la loi, chers amis, collègues, pasteurs, je crois également que ces conseils ne sont pas tombés dans les oreilles de sous et nous ferons bon usage de ces tests. Et votre mot de fin, nous sommes presque à la fin de notre émission. Merci beaucoup, pasteur. Mon mot de fin, lorsque nous allions à l'AG la semaine passée, oui, on n'avait pas un slogan. Mm-hmm. Mais en revenant de l'AG, moi j'ai trouvé un slogan. Wow. Et c'est ce slogan qui est mon mot de fin. CDJAD, servir dans l'humilité et l'unité.
CDJAD, servir dans l'humilité et l'unité. Donc, humilité, unité. C'est le message que j'adresse à tout le monde, qu'on soit le leader, le premier responsable, ou qu'on soit celui qui est en bas de l'échelle, que nous tous, nous puissions servir dans l'humilité et dans l'unité. Merci beaucoup. Nous nous armons de ces deux branches, de ces deux armes-là, nous allons vaincre. La main gauche et la main droite. À vous de mettre là où vous voulez mettre l'humilité et l'unité. À vous de mettre, mais quand même, qu'on puisse avoir ces deux armes. Superviseur national, docteur Révérend Saramankou Alphonse. Dans un premier temps, je voulais vous remercier. Merci. Pour l'accompagnement médiatique, que ce soit là-bas à Sada, vous étiez avec nous. Et ici aussi, vous avez choisi ce moment pour que nous puissions encore une fois parler et expliquer aux gens ce que nous avions fait la semaine passée. Dieu vous bénisse. Amen. À l'endroit de tous les participants également, à l'AG, votre sens de maturité nous a beaucoup marqué. Amen. Et nous demandons au Tout-Puissant de vous bénir. Amen. Et maintenant que nous avons l'outil en main, utilisons-le. Servons comme il l'a dit. Merci beaucoup, coordinateur, pour ce slogan. Je crois que slogan ou devise, je ne sais pas. C'est ça. Et je crois que les CDEJ vont l'écrire en gras et coller dans leur bureau pour comprendre que nous sommes là pour servir. Et ce service doit se faire dans l'unité et dans l'humilité. Voilà. Donc c'est très important ce slogan et je crois que nous pouvons l'adopter. Pour pouvoir en faire un slogan national. Voilà. Et nous disons également que le monde nous observe. Beaucoup. Les autres centres aussi nous observent. Oui. Et notre partenaire ou nos partenaires nous observent. C'est ça. Vous avez entendu également le mot du partenaire, du président, du directeur national qui était venu, il a placé son mot. Vous avez compris que l'Église a un grand rôle à jouer pour la vie et la survie de ces enfants qui nous sont échus. Merci beaucoup, superviseur national. Merci, coordinateur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nos portes sont grandement ouvertes à vous et nous vous attendons une prochaine occasion. Chers amis téléspectateurs, servons dans l'unité et dans l'humilité pour accompagner les CDJ dans leur activité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons demander à notre superviseur national, le révérend docteur Saramankou, de remercier le Seigneur. À toi la gloire et l'honneur, adorable Père, pour l'occasion que tu nous donnes d'être sur ce plateau aujourd'hui. Oui, nous avons eu à échanger et à communiquer. Nous demandons que ces paroles tombent dans de bonnes terres, germées et produisent du fruit. Bénis cette station de télévision, bénis tout le personnel. Bénis aussi celui qui anime cette émission à la découverte des ministères. Je demande que ta grâce continue d'être avec nous et bénis ton Église, bénis tout le pays, que ton nom soit loué. Au nom de Jésus, amen. Amen. Merci beaucoup une fois encore. Merci à vous, nos chers les téléspectateurs. Soyez toujours câblés sur la RTJVA. Que le Seigneur vous bénisse et à nous revoir. Merci beaucoup. Merci.